أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. ببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Je profite de cette assemblée, de cette période bénie du Maulid Nabawi pour témoigner de la vision de la lumière tel que décrit dans le Coran et dans les Ahadith. Alors j'ai connu la Tariqa en 2013 lorsque mon frère et mon père ont pris la Bay'a. À l'époque j'avais 14 ans, j'étais un peu curieux, je me posais des questions sur le vêtement rapiécé, je les voyais faire leur wirt, et mon frère m'avait conseillé le mieux pour dissiper toutes les questions et toutes les interrogations, c'était de directement rencontrer Sidi Cheikh, vu que j'en avais la possibilité. Donc en 2017, 4 ans plus tard, Sidi Cheikh est venu en France et mon frère m'a invité à partir à sa rencontre. Cette soirée-là, il donnait un cours de spiritualité sur la relation avec Allah. Malgré une compréhension un peu approximative de l'arabe que j'avais, le discours m'a directement pris au cœur et c'était un discours spirituel comme j'avais jamais entendu auparavant. À l'époque, je ne savais pas qu'est-ce qu'était le soufisme, la bay'at, un wali, tout ce qui est cheminement, etc. Tout ça était très flou pour moi. Un an plus tard, en 2018, il revient en France et je repars à sa rencontre. Cette fois, en étant un peu mieux renseigné sur la voie. Et après encore un dars de spiritualité, pour moi c'était clair, j'avais en face de moi le wali de notre temps, et j'ai demandé, par l'intermédiaire de mon grand frère, est-ce que je pouvais prendre la bay'a auprès de Sidi Cheikh. La réponse de Sidi Cheikh était que pour moi, le mieux était que j'aille directement au Maroc, à la Zaouia, à la Haloui. Et moi je pensais, mon plan était que lorsque j'irai en famille au Maroc la prochaine fois, vu que je suis une région pas très loin, je passerai à la Zaouia al-Haloui pour prendre la Bay'a. Sauf que le plan d'Allah était totalement différent, puisque entre 2018 et 2022, je ne suis pas allé au Maroc. Il y a eu le Covid et c'était impossible pour moi d'aller au Maroc. Donc en 2022, je suis retourné au Maroc, et cette fois avec uniquement l'intention d'aller à la Zaouia pour prendre la Bay'a. Je suis venu tout seul. Donc je suis arrivé à l'Haloui, je me suis présenté à Sidi Cheikh et je lui ai fait part de mes intentions. 3 jours après, après Salat al-Asr, c'était un jeudi, il m'a appelé, je me suis assis face à lui, face à la Qibla, et j'ai pris la Bay'a du coup, en lui tenant la main. Donc avant de venir, j'avais commencé à faire le wird, et lorsque je faisais le wird, et aussi les 3 premiers jours lorsque j'étais à la Zaouia, quand je faisais le wird, je voyais au centre de ma vision un point noir bien distinct. Pendant la prise de la Bay'a, ce point noir a complètement disparu. Et donc le soir même, pendant le wird du Maghrib, j'ai commencé à voir la lumière de manière très distincte. À moi, ça se présentait sous forme de flash. Il y a eu aussi des vagues lumineuses et de la fumée blanche, alhamdoulilah. Et depuis, par la baraka de Sidi Cheikh, on chemine avec la lumière telle que décrit dans le Coran et dans les Ahadith.